Ça n'arrête pas. Allez, petit réveil du matin. J'ai préparé, hélas on a déjà mangé, parce que j'ai pas pensé de sortir l'appareil. J'ai fait des petits croissants. On achète des petits croissants à Lidl au Portugal, franchement congelés et super bon. On a juste à les réchauffer au four et on se régale. La preuve, regardez, il reste plus rien. Il reste des miettes comme on dit. Là, c'est pas possible d'aller chercher des croissants en vélo là. Ah bah non. Donc là, on va vous filmer une journée depuis. Ça a commencé à toute la nuit déjà. Ça a commencé. J'adore être dans le camping-car, entendre la pluie sur les skidoms. Ça me berce. Heureusement qu'on a fabriqué ce petit auvent qui nous protège très bien. On a notre propriétaire qui a mis son véhicule devant parce qu'apparemment ça devrait souffler énormément. Pour l'instant, ça va. Donc, il a mis un obstacle, en fait, pour nous protéger. Merci encore. On avait aussi réavancé la petite cuisine. Bon, ça, vous voyez, il y a quand même de l'eau qui se... Des cuvettes, voilà, cherchez le mot. Et puis là, ça marche bien, ma petite gouttière, là. Vous voyez. Et puis, ça va être difficile de faire de la cuisine aujourd'hui, mais bon. J'ai pu faire la vaisselle ce matin. Bon, je vais pas filmer, vous avez l'habitude que c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Notre petite plantation, pas besoin d'arroser. Voilà, je pense qu'on est passé à l'automne. Direct. Vous entendez, là? Hop. Allez, on va faire. Aïe. Allez, la petite paix. Ben voilà, comme a dit Cécile, on vous vend pas que du rêve. Mais bon, c'est la vie. Voilà, je sors un petit chouïa, mais... Aïe. C'est gris de chez gris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Jouer aux cartes, regarder la télé, regarder les autres youtubeurs. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont au Maroc, ou en Espagne, ou autre. En Grèce, j'ai vu qu'il y avait les ZEP en Grèce. Et puis là-bas, a priori... il fait beau, donc un petit clin d'œil à eux. Ciao, ciao. Et puis on va faire des gaufres ce soir. Ah ouais, je vais faire des gaufres. Ben, vous pouvez vous montrer aussi un truc, je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est un tout petit trou. Alors moi, j'avais envie de mettre une rustine de vélo. Mais c'est vraiment tout fin. Et vous voyez, la collure là, c'est de l'eau là qui passe. Je vais tenter de mettre une rustine. Pas maintenant, mais je crois que j'avais acheté des rustines qui collent toutes seules. Donc je verrai bien ça. Donc voilà, on avait acheté ça à l'époque Continent. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo si on a le temps. De l'alcool à 96 degrés. C'est pour un peu nettoyer la surface en fait. Donc on va faire un petit coup, vite fait. Là on le voit pas. Là il est là. Alors comment ça a été produit ce petit trou là? Aucune idée. Ouais, je le vois. Ah, regarde. Je sais pas, vous savez comment c'est propre? Alors on en fait encore un petit coup. C'est quand même épais hein. Alors ce que j'ai peur, c'est que j'ai pas assez de pression. On verra bien comment ça se passe. Ça fait une belle auréole là. Oui, justement, parce que là c'est nettoyé. Ah bah attends. C'est un ciseau. Juste, ça mettra que ça colle. C'est comme un patch en fait. Ouais, voilà. Là, ils disent que c'est un patch. Mais pour les pneus, donc on y va. Donc, je prends ça. Hop là. Ça va faire joli.
Les gens, ils vont venir, ils vont dire, mais c'est quoi ce truc, hein? Voilà. Voilà, le pneu est réparé. C'est pas beau le design, là? Ça fait un genre. Ça fait un genre, hein? Impeccable. Alors il pleut, mais par contre, j'ai modifié, j'ai rectifié mon petit trou là. En fait, j'ai mis de la colle silicone, que c'est la même colle que j'avais sur les skidomes que j'ai fait par rapport à la vidéo. Ouais, les skidomes là. Donc, j'en ai mis un petit peu à l'intérieur, pas trop épais. Et ensuite, j'ai mis le scotch autocollant, qui est nickel. Pour l'instant, on n'a plus de fuite. On veut que ça dure. Aujourd'hui, ça pleut. Ça pleut une journée de... De pluie. De pluie ou de... Alors, attends, j'essaie de verser un peu. Une petite auréole de colle. Bon, on ne la voit pas à la caméra. C'est pas grave. La flotte de partout. Allez Fred, vas-y, écope. Ah, ça y est. Là, comment tu fais là? Tu fais comme ça, toi? Ouais. Là-bas, c'est qui bête. Là, ça y est, je viens de le faire. Là, il y en a pour toute la journée. Hein. Et puis, j'espère que demain, ça va s'arrêter un peu, parce que là... Ouais. C'est la misère. C'est la tempête. Mais on persiste, on est encore dans le haut vent. Bah, de temps en temps, on sort un petit peu pour dégourdir les gens parce qu'être assis toute la journée, c'est un peu chiant. Quoi, ouais, puis cet après-midi, on va se faire. On va se faire un film. Le patron, il a garé les voitures un peu partout pour protéger les tentes de tout le monde. Mais pour l'instant, le vent, ça va quand même. Alors, de temps en temps, il y a des petites rafales, mais ouais, bon. Ça va. Donc là, bon, on va se regarder des vidéos. Ouais. Là, il est 13h. C'est horrible. C'est 24h au Portugal, sous la pluie. Voilà. I've seen against the rain. I'm singing against the rain. Stop. Après, il va neiger là. Allez, à plus. On est en train de couler. On est en train de couler. T'es pas perturbé là. Hein. Ah, il est bien lui. Hein. Il est tranquille lui. Hein. Tiens, pendant qu'on y est là. Cécile m'a acheté, enfin, on a acheté à Intermarché. Alors, comment ça s'appelle? Je ne vais pas le prononcer parce que c'est assez compliqué. Vas-y, Cécile, si tu vois, toi, avec tes lunettes. Torresmos Barak. Torresmos Barak. Alors, apparemment, c'est de la viande séchée et c'est super bon. Je vais vous montrer ça. Alors ouais, je sais pas si c'est portugais ou... Mais nous on en a jamais vu en France. Hein. Vous voyez, c'est une petite feuille comme ça là. Un peu... C'est un peu d'étrange de museau mais très fine. Ouais, exactement. Et c'est très bon. Moi j'adore. J'adore ça. Moi j'aime pas. Alors ah, attends, bébé, t'es en contre-jour là. Ah. Là, tu vois mieux là? Non. Et là? Voilà. Bien. Donc voilà, c'est une petite feuille. Et franchement, c'est un genre de... Ouais, c'est vrai, c'est un goût de cartilage, je sais que t'aimes pas trop. Ouais. Et franchement, c'est super bon. C'est un peu... j'ai du mal à prononcer, à dire. C'est un peu fumé. C'est un peu comme du museau. Ouais, du museau, ouais. Moi, j'appelle ça un peu. Ça, pour moi, ça ressemble à ça. Mais très, très fin. C'est super bon. Bon appétit. Ouais, merci. Allez, Cécile. Tu es la plus courageuse. De sortir le chien. Inconvénient d'avoir un chien quand il pleut dans un camping-car. Ouais, mais regarde ce qu'on a. Merci Action. Alors, on a acheté ça, en fait, c'était pour les vélos. Et ben, Cécile, elle va faire le mannequin, va vous présenter le poncho de la pluie. Rain poncho. Ah, mais tu mets, hein? Ah oui, je mets. Ah bon? Là, il y a la tête.
c'est une fermeture claire tout. Non. Ah oui, mais jusque là. Non, pas tout en haut. Pas jusqu'en bas. Ah oui. Ah bah fais gaffe, c'est peut-être fragile aussi. Hein. Ça c'est pour les bras ce que t'as fait. Ouais. Suivant. Ouais bah c'est pas mal. Là tu permets tes pressions, c'est t'avais tout ouvert. Ouais. Tout là, j'ai plus qu'à refermer. Bon, on a pas enlevé les bottes hein. Tu vois, tu voulais bientôt y aller en Bretagne. Ah non, en Bretagne, il pleut jamais. On va se faire des gaufres. Donc on a déjà commencé la pâte hein. Vous allez sur internet, Google, recette oui, de gaufres, il y en a des panels. Et ben, pour avoir le moral, parce que vous voyez, il est 14h30. Pour se chauffer. Et fait toujours 4h. Pas merdique. A priori jusqu'à 16h. On verra bien. On verra bien. Ouais. Donc voilà, je suis en train de préparer la pâte. Là je vais mettre après les blancs en neige. Et après, je vais rassembler tout et je vais laisser se reposer. Car il y a le propriétaire là-bas. Il est en train de, il a des soucis de... Ouais, il y a la fosse septique qui refoule. Donc, quand il pleut beaucoup comme ça, ça remonte apparemment, d'après ce qu'il nous a dit. Donc, Picou a eu qu'il est courageux là. Ouais, sous la pluie, toujours au boulot, ta père. Allez, c'est parti. Allez, il est là, super. On lui donnera des gaufres pour le réconforter. Elle est belle ta pâte, hein? Elle me plaît bien. Là. Après, je vais faire les blancs. Et après, je vais rassembler comme je vous ai dit. Voilà. Allez, on ajoute les blancs. Alors, Cécile a dit qu'ils sont un peu limites. Ils sont pas assez montés pour moi. Mais vu le temps... En fait, c'est juste l'histoire pour alléger les gaufres. Hein. Oui, pour qu'elles soient plus moelleuses. Ouais, voilà. Et légères. Sinon, et un peu plus croustillantes aussi. Sinon, on les mélange avec les œufs en même temps. Hein. Mais moi, j'aime bien comme ça aussi. C'est vrai que. Bah, y a tellement de recettes différentes. Il y en a qui montent les blancs, il y en a qui le font pas. C'est au choix. Comme il y en a qui mettent un peu de rhum, ben, du rhum rhin, ben, on n'en a pas alors. Non. On n'en mettra pas. Nous, on le met dans le punch, le rhum. Non, pas le brun. Non, pas le brun. Non. Ça, on va laisser bien reposer. Et cet après-midi, on va se régaler. Ça va nous apporter le soleil. On va nous réchauffer. Avec des gaufres au chocolat, au miel. Aussi. Oh, c'est plutôt pour moi aussi. Avec un bon petit café noir. Elle est belle, la patate. Elle est super. Voilà. Là, vous voulez mon forage. Mais par contre, on va pas vous en garder. On va tous les manger. Voilà la pâte. Oh, elle est belle. Hein elle est belle. Wow. Il y en a pour une famille nombreuse là. Pour toi, deux. 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 Allez. Allez, le bouton est allumé. Veille. C'est vert. C'est la première. Alors normalement une première. Hein. En général, on la rate toujours. Non? Non, pas toi. Non, pas moi. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça passe. Ça réagit. Je sais pas, c'est un peu... Ouais, c'est bon, gonflé, là. Hein. Après, je vais en mettre partout. T'as arrêté de mettre le plateau en dessous. Tant pis. Voilà. Et voilà, les crêpes apparaissent comme par magie.
patates. Et les crêpes, les gaufres, pardon. Les gaufres, ouais. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai dit crêpes. Waouh. T'avais pas l'odeur. Miam, miam, miam. Mm-hmm. Elles sont belles. Belle veut pas dire bonne, hein. Oh, si. Deuxième tournée. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Très bonne. Très bonne? Bien croustillante. Ah, bah c'est ce que c'était volontaire. Hein. Mmh. Et moi, comme d'habitude, crêpe. Pourquoi on dit crêpe? Gaufre au sucre. Oh, rien. Ça commence. Encore un petit peu encore. Hop. Allez, on vous laisse. J'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration d'une petite journée d'enfer au Portugal. Ça se termine bien, le soleil est revenu. Vous l'avez vu là? Il est 4h30. Et le soleil arrive. Vraiment, à peine une heure, bien dégagé là. On va enfin respirer un peu.